T'es gentil au moins, toi, petit bonhomme. Et les amoureux, vous voyez comme acheter une éponge, là, non ? 5 francs pièce, on brade. Allez, quoi, 5 francs seulement, allez-y. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin d'éponge. Hein. Oh. Allez, un effort. J'en ai vendu que 5 aujourd'hui. Il vous en reste combien à vendre ? 9732, mon bonhomme. 9732 ? Ouais. Allez, faites-moi plaisir. Tu vas pas les emmerder avec tes éponges ? Allez, file ! Dis donc, qu'est-ce qui vous permet de me tuer ? Je vais appeler la police. Ah, merci, vous laissez-moi filer. Allez, file ! Laissez-moi file ! Je suis pas un bandit. File ! La police, mais toi qui me prends, lui ? Bonjour, monsieur ! Bonjour, les petits. T'as de la chance, Piotr. Il a trouvé un briquet du feu de l'enfer. C'est sûrement un Richard qui l'a paumé. Mais dis donc, la môme, y a pas que du tabac dans ta cibiche. Tu piperais pas un peu d'herbe à faire voir les éléphants en rose par hasard? Et alors, t'es la police? Oh, dis pas de conneries, hein. Et n'insulte pas le kidab. Mais vous, les jeunes, vous vous détruisez à force d'avaler n'importe quelle merde. L'herbe, c'est pas malsain. Ça a jamais tué personne. Et puis ça permet de porter cette pièce crasse. Regardez ça, mademoiselle Mathusalem. Et qu'est-ce que tu connais de la vie, toi qui es à peine sorti de l'œuf? J'ai pas besoin d'être une croulante pour avoir déjà eu ma dose. Ta dose. C'est le cas de le dire, ta dose. À la tienne. Et toi, le donneur de leçon, tu la prends pas ta dose? Et même plus que ça, ouais. L'alcool, ma petite demoiselle. Tu apprendras que ça conserve. Et surtout, que ça permet de passer les gelées. Quand ta chambre à coucher, c'est la rue. La rue? C'est ce qui m'attend bientôt. Et puis, ça me permettra de couper les ponts complètement avec cette conne d'existence. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la demoiselle? Regarde-moi. Pauvre! Crade. Et sans logis. Mais je vis, moi. Je vis. Moi? Je suis en suspens. Il me reste plus que ça. Mais t'as de la famille. Elle m'a largué. Scandaleuse pour elle, une droguée, tu penses? Ouais, tes petits côtés copains, là. Tes amis. Des bourgeois. Des sales bourgeois. Enfin, c'est bien pour eux. T'as bien un petit copain, mignonne comme t'es. C'est moi qui l'ai largué. Il m'a batté. Eh ben, dis donc. Ça va pas fort, la môme, hein. Ben, si t'en crois un vieux schnock, tu vas, tu tapes à la lourde de ta maman, tu lui sautes dans les bras, tu lui dis « Maman, je t'aime », vous pleurez un bon coup toutes les deux, et puis, ça redémarre. Tu crois? Merci quand même d'avoir essayé. Pauvre petit hôte. Oh.
C'est ça, ma destinée. Vous dormiez ? Moi, j'allais m'endormir, mais on est toujours dérangé. Pi, c'est votre nom, Pi ? Mon nom, il s'est dissous dans le café. Bah, à la Toussaint, il y a ma mère qui m'a apporté à l'assistance, là. Elle a mis mon nom sur un grand registre. Puis quelqu'un m'a pris dans ses bras. Mais v'là-t-il pas qu'il y en a un autre qui vient, qui met sa tasse de café en plein sur la carte d'identité. Alors évidemment, il restait que deux lettres. Heureusement que sexe masculin, ça, c'est resté. Vous n'avez pas l'accent. D'où venez-vous ? Moi, je suis né à Paris, belle ville. D'ailleurs, un accent, hein. Ouais, bah, j'ai quitté la maison à 18 ans, sans diplôme. J'ai vécu un peu en communauté, là, dans les années foireuses 70, 68, 75. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs détester la foule. Et depuis, ma devise, c'est une chanson de Brassens. Le pluriel. Je ne la connais pas. Vous connaissez pas le pluriel ? C'est une chouette chanson. Le refrain, ça donne à peu près ça. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on n'est plus de quatre nés, une bande de cons. Drôle de philosophie et belle mentalité. Puis j'ai tout largué, j'ai choisi de vivre libre, sans attache. Alors je suis allé de ville en ville. J'ai vendu des bâches, des détachants, des pompes à vélo. Voilà ma vie. Et ça fait 10e hiver que je couche sur la dure. Il y a du grabuge, hein. Tout repose sur vous. Est-ce qu'il y aurait un pareil grabuge si c'était Moni, la petite du kiosque là-haut, sur l'avenue. Un type est arrivé en bagnole, il a tiré 3 bastos et basta. J'ai rien vu d'autre. Tu vas pas m'aider, c'est ça. Bah, voilà qui me tutoie maintenant. Les flics tutoient toujours. Ça augmente le rendement policier. J'ai rien vu. C'est pas mon affaire. Dans cette histoire, il y a un type cradingue, moi, qui vend des éponges, et une snobinarde pleine de fric, là, qui n'en a jamais acheté de sa vie. Il y a un homme dans la merde qui sait des tas de trucs, et une femme qui a 3 balles dans le corps. Mais si on n'attrape pas le tueur, il remettra ça. Tu peux en être sûr. Écoutez, si on avait attaqué Monique, on recommencerait pas le lendemain, hein. On t'a dit que c'était pas Monique. Ah. C'est quelqu'un d'important, pas vrai? Quelqu'un de placé tout là-haut, pas loin de la préfecture. Eh bien, moi, je m'en balance de la préfecture et leurs éponges. Moi, mon grabuge, moi, c'est de vendre 9732 éponges. Et y'en a-t-il un qui se fasse demander comment je vais pas me geler les couilles à l'hiver? Personne! Non, mais après tout, c'est-il eux ou c'est-il moi pour les éponges à vendre? Des blagues, des idées. Je vis d'idées. Ouais, ben moi, je vis d'éponges. Viens, on va marcher. Ah, ben je veux pas sortir, hein. Dehors, on se les caille. Bon, eh bien, restons là. Mais marcher, ça m'aurait donné des idées. En fait, commissaire, j'en ai aussi des idées. Monsieur le procureur, je vais poser quelques questions à la victime. Oui, vous pouvez rentrer. Monsieur, pourquoi les policiers vous ont laissé rentrer? Les visites sont interdites. Je suis le procureur de la République. Je dois interroger la victime. Mais elle est trop faible. Je regarde. Monsieur, ne restez pas longtemps, elle est très fatiguée. Je ferai vite. Et surtout, ne laissez rentrer personne. Oui, madame. Mais vous savez certainement quelque chose.
Vous êtes un personnage très en vue dans le milieu politique. Avez-vous reçu des menaces? Non. Pas beaucoup d'associations. C'est du zèle de charité. Je ne sais pas de qui ça vient. Je sais que vous êtes très faible, mais qui, vous savez, est catastrophé de ce qui nous arrive et me demande de trouver les coupables. Il viendra? Oui, plus tard, dans la nuit. René, il doit se montrer discret. Mais il faut qu'il vienne, il le faut! Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Madame, madame, ne vous agitez pas. Monsieur, s'il vous plaît, cette dame souffre. Je sors, je reviendrai plus tard. Elle s'en sortira. Oui, le professeur Berger est un très bon chirurgien. Je vous fais confiance. Il viendra. Il faut qu'il vienne. Il le faut. Il faut qu'il vienne. Allez, un petit sédatif et vous allez dormir. Il faut qu'il vienne. Ça vaut pas la peine d'être flic pour pas piger que c'est la clé du monde. Quand j'étais petit à l'école de l'assistance, on m'appelait 314. Vous avez saisi la blague? Pi, 314. Le diamètre du cercle multiplié par 314, c'est égal à sa circonférence. Eh bien, commissaire, cette blague, ça a été la grande affaire de ma vie. Alors c'est peut-être pas un hasard si mon nom s'est dissous dans du café. Je suis devenu un nombre. Pas n'importe quel nombre, commissaire. Ah, je comprends. Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que je sais sur les ronds. Le monde, il est fait de ronds. Hein. C'est un grec qui a inventé ça dans le temps. C'était fortiche, les grecs. Tiens, tu veux connaître la circonférence de ton verre de pinard pour savoir combien tu bois? Ou peut-être ben tu voudrais connaître le tour de ta caboche, hein? Et le tampon de la mairie, combien il fait de circonférence? Et la pièce de cymbale, hein, la pièce de cymbale? Ah, ça t'épate, ça. Eh bien moi, Pi, je sais tout ça. Bon, pose-moi une colle et tu verras. La pâquerette. 12 mm 24. Je te parle déjà d'une assez grande pâquerette, hein. Ah oui, c'est ça ma destinée. Et le rond ultime, tu sais ce que c'est que le rond ultime? Le tour de la Terre, évidemment. Tout juste, je vois que vous me suivez. Et personne ne peut savoir le tour de la Terre sans passer par Pi. C'est l'astuce. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé la clé du monde. Ouais. Vous me direz où ça m'a amené. Si tu résolvais mon affaire comme tu résous le rond, ce serait déjà pas mal. J'aime pas beaucoup son diamètre à votre affaire. Oh oui, j'avais compris. Et c'est quoi son blaze à la femme? Pas de nom, interdit. Ah ben, bienvenue au club. Elle aussi, elle a perdu son nom. Oui, et il y en reste même pas le début. À elle. Alors, commissaire, on va lui donner un nom, comme pour moi. Qu'à 421, on va l'appeler. 421. Parce qu'elle, elle a tiré le gros lot. Hein. Si tu veux, toujours 421. Viens, on va te loger pour la nuit. Albert, ton fils vient de te parler. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai eu 20 en dictée. C'est tout ce que ça te fait? Il avait zéro depuis le début de l'année quand même. C'est bien. Qu'est-ce que tu as? Tu ne dis rien depuis le début du repas. Ton fils t'annonce qu'il a 20 en dictée et tu ne réagis pas? Tu es malade ou quoi? J'ai un très gros problème. Une femme a été agressée tout à l'heure. Une enquête comme les autres, où est le problème? Ben, le problème, c'est que cette femme, c'est la maîtresse de quelqu'un de très important à la préfecture. Encore quelqu'un qui mène une double vie? Et alors, qu'est-ce que ça change par rapport à une autre affaire? Si je ne trouve pas le coupable, c'est ma carrière qui est en jeu. Et il n'y a pas de témoin? Oui, un pauvre type qui vend des éponges.
Il pousse un caddie ? Oui. Mais je le connais. Le problème, c'est que c'est le seul témoin. Et il ne veut rien dire. Alors, vous l'avez mis au trou ? Bien sûr que non. Il est innocent. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait pour cette nuit ? Ben, on l'a amené à l'hôtel. J'ai placé un gardien devant sa porte. Je l'attends ce jour de nuit. J'espère qu'il se décidera à parler. J'espère. Je pense avoir une idée pour le faire parler. Laisse. J'y vais. Allô ? Bonjour, monsieur le procureur. C'est très ennuyeux ce qui s'est passé. Vous avez appris quelque chose de nouveau ? La circonférence du cœur d'une pâquerette. On n'a pas le temps de plaisanter. Je pense qu'on vous l'a bien fait comprendre. Le type est difficile. Mais il sait des tas de trucs. Il y a urgence, commissaire. Et j'ai des ordres. On vous a pas appris que n'importe quel type se travaille en moins d'un quart d'heure ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? De l'oublier. Vous savez que je peux vous enlever l'affaire ? Ce n'est pas en lui cognant dessus que vous le ferez parler. Alors, comment ? Il s'occupera de nous que si on s'occupe de lui. Mais qu'est-ce qu'il veut, bon sang ? Faire sa vie, vendre ses éponges. 9732 éponges à 5 francs pièce. C'est tout ? Mais il n'y a qu'à lui acheter ces foutues éponges. Voyons, 9732 éponges à 5 francs, ça fait 48 000... 48 660 francs. Vous aurez 50 000 francs au début d'après-midi. C'est une faveur que vous faites, croyez-moi, au vu de vos états de service. Et je veux les informations au plus tard à 15 heures. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, monsieur le procureur. Quoi donc ? L'homme ne veut pas qu'on l'achète. Il veut vendre ses éponges. 9732 éponges à 9732 personnes. Vous rigolez ou quoi, commissaire ? Vous ne pensez pas que je vais vendre les éponges de ce gars ? Que je vais envoyer les agents de l'État démarcher dans les rues ? Ça ne décollerait pas. Il veut vendre ses éponges lui-même. Dites-moi, commissaire, est-ce que les éponges de ce gars vous inquiéteraient plus que la sauvegarde de... De 421. C'est son nom de code ici. On ne prononce pas son patronyme. Oui, c'est mieux. J'ai une autre solution. Pour les éponges et pour 421. Qui marcherait ? Peut-être. Tiens, le marchand d'éponges. Alors, la vente, ça progresse ? Bof ! Ma foi, ma foi. Et vous, les amours ? De haut et des bas. Elle veut pas qu'on s'installe ensemble. Mais tu dois poursuivre tes études. On a bien le temps de vivre ensemble. Et puis, si on veut que ça marche, il faut s'assumer. Mais je trouve du boulot, on n'a pas besoin de grand-chose. Ouais, pour vivre au crochet de tes parents qui nous logeront. Parce que les miens, ils voudront même plus me voir si je quitte la maison pour partir avec toi. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, l'épongiste ? Mon petit gars, faut pas trop tirer des plombs sur la comète. Faut être sûr de votre coup, tous les deux. Parce que l'amour, c'est toujours le même disque, mais pas forcément de haute fidélité. Mais je suis sûr de l'aimer. Et moi, de vouloir partager sa vie. Mais faut pas précipiter les choses pour qu'elles soient durables. Elle a raison, petit gars. Oh, ça vous va bien de jouer la prudence. Vous-même, vous semblez pas vraiment l'avoir réussi, votre vie. Oh, petit gars. Faut jamais jurer de rien dans la vie. Il faut peut-être comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et peut-être que cette chaîne de vie, justement, elle m'a été tellement affreuse que j'ai droit à quelques circonstances atténuantes. Monsieur le juge. Il a raison, on sait pas ce qu'il a vécu. Hein. Et alors pour vous deux, là, qu'est-ce que vous décidez ? Bon, on va attendre. Hein. Bah, attendre. Il faut pas attendre trop longtemps, hein. Elle risque de s'impatienter. Et si t'en crois un vieux crouton qui a bourlingué sur tous les chemins de cette chienne de vie, rentre-y dedans à cette vie. Mords-la, griffe, et surtout, ne lui fais pas de cadeaux. Allez, j'y vais. Sinon, le planton que le commissaire m'a mis aux fesses,
va commencer à se faire du mouron pour les siennes. Alors je dois rentrer, et très vite. Au revoir les mômes. Drôle de mec, ce mec. Ouais, il est attachant. Et il a l'air content de son sort. Hé, hey, commissaire! Commissaire! Eh, voilà, je n'ai besoin de se dégourdir les jambes, hein! Le gardien t'a laissé sortir? Ben, là qui recommence à me tutoyer, celui-là. Votre gardien, il dormait. Alors, il avait l'air si fatigué. Et puis, vous savez, votre gardien, il ronfle. J'ai une proposition à te faire. Elle s'en sort? Qui? Ben, 421. Elle s'en sort. Allez, viens. On va s'asseoir. Elle est surveillée par 5 flics. Ou alors. Mais elle ne se souvient de rien. Bon. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. J'ai eu une sorte d'idée cette nuit. Ben moi aussi, commissaire. Tenez. J'ai tout marqué là-dessus. La gueule du type, ses fringues, la marque de sa bagnole, le numéro de sa plaque minéralogique. Vous connaissez aussi le numéro de sa plaque? Les chiffres, commissaire, les chiffres. C'est mon dada. Excuse-moi, il faut que j'aille téléphoner. Tu parles, Charles. Avec le numéro de la plaque, ça va être du billard. Je vais retourner voir Pi, on lui doit bien ça. Et c'est parti. J'ai eu une sorte d'idée cette nuit, pour vendre tes éponges. Bon, moi aussi. Je prends mes éponges dans le chariot, je le traîne à longueur d'année, et je les propose aux clients éventuels pour 5 francs pièce. Moi, j'ai eu une autre sorte d'idée. C'est plus la peine. Vous avez les infos maintenant. J'ai eu une idée bizarre. Un russe de flic. Non, une russe d'homme. Tu donnes autre chose en échange des 5 francs. Ben, je donne déjà mes éponges. Mais elles sont pourries, tes éponges. Ben, elles sont pourries. Si vous voyez que c'est une vie d'être une éponge, écrabouillée dans l'eau sale, là. Tu leur proposes de vendre des éponges et tu leur donnes quelque chose en plus. Ben, quelque chose en plus. J'ai rien, moi. Et puis, pour 5 francs. Tu leur proposes d'écrire leur nom sur un mur. Alors là, je piche pas. Chaque fois que quelqu'un t'achète une éponge, tu peins son nom sur le mur. Sur toujours le même mur. Ah, pigé, commissaire. Et moi, je m'installe devant avec la marchandise. C'est ça. Et dans 6 mois, t'auras un énorme mur couvert de noms. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, commissaire, d'un énorme mur couvert de noms? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les gens. Mais ils s'en balancent, les gens. Mais ils s'en balancent pas. Tu auras peut-être la queue devant ton caddie. Et à quoi ça leur servira qu'il y ait la queue devant mon caddie? Et à moi donc? Eh bien, ils auront un peu de compagnie et un petit peu d'existence. C'est déjà pas si mal. Parce qu'ils n'ont pas ça, les gens? Pas tant que tu penses. J'arrive pas à me décider si c'est une idée à la con ou si c'est une bonne chose. Moi non plus. Dites-moi, commissaire, et quand tout le mur sera rempli de signatures, je pourrai en bas, là, dans un tout petit coin, mettre la mienne pour signer tout le bazar? Si ça te chante. Mais il faudra payer les fonds. Bon. C'est ça le truc. Commissaire, vous me prenez pour un arnaqueur? Ah oui, mais commissaire, il y a un blême. J'ai pas de mur. J'en ai un de mur. Tout à l'heure, je l'ai arraché à la préfecture. Viens, je t'y emmène. Ah, et mon caddie, commissaire? Oh, ton caddie, ne t'inquiète pas pour lui. Il vit des moments inoubliables au commissariat. Allez, viens. Si vous le dites. Thank you.
est à la préfecture, ce machin, là? Et ils ont pas voulu me donner le mur de la mairie. Tu penses? Et je commence quand? Tu auras la peinture et l'échelle demain. Après, tu te démerdes. Et je peux choisir les couleurs, commissaire? Tu es le maître à bord. Ouais, je pourrais prendre des pots ronds, ça me fera un diamètre. T'es pas obligé de le faire. C'est peut-être une idée à la con. Elle me plaît bien, commissaire, votre idée. Mais qu'est-ce qui te soucie? Ben, 421. Vous croyez qu'elle va me rendre visite? Qu'elle mettra son nom sur le mur, là? Qu'elle m'achètera une éponge? Bien sûr. Mais c'est mon caddie. Tu vois, j'ai pensé que ça te ferait plaisir de voir ton caddie. Alors j'ai demandé à un collaborateur de nous l'amener. Ah, mon caddie! Mais qu'est-ce que tu cherches? Ben voyons, commissaire, je vérifie avec les flics. On sait jamais. C'est triste, un meilleur commissaire. Ça met une barrière entre la vie et vous. Ça vous cache le soleil. Ça restreint le point de vue que vous avez des chemins qui serpentent dans la forêt. Et parfois, ça vous cache les étoiles. Mais ça sécurise, ça permet de s'abriter. Et ça protège. Eh oui, ça protège, commissaire. Mais regardez le vent qui se lève, là. Personne ne le commande, il va où il veut. Pouvoir le respirer dans l'air frais du matin. Pouvoir prendre le temps de regarder pousser une fleur sans consulter son agenda. Pouvoir changer de route quand on veut, aller où on veut. Est-ce que ça ne vaut pas les petites gênes occasionnées par la vie dans la rue? Et surtout, commissaire, surtout, ne pas se fondre dans la foule imbécile, anonyme et sans âme. Je vous l'ai déjà chanté, commissaire. Le pluriel ne vaut rien à l'homme. J'ai mon moyen de transport. Ma fidèle compagne. Et tous les menus plaisirs que la vie peut nous offrir. Vous avez du feu, commissaire? Alors, vous savez. Rien ne vaut ça, commissaire. Et surtout pas cette espèce de machin réducteur de liberté, là. En tous les cas, commissaire, je vous remercie de m'avoir tendu la main. Mais je vous laisse dans cette ville tentaculaire. Et moi, comme disait le poète, je vais respirez l'air de la montagne fière. Au revoir. Adieu, commissaire. N'oubliez pas, le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on n'est plus de quatre, on est une bande de cons. Merde, qui sait des tas de trucs,
Et une femme qui a 3 balles dans le corps. Non, pardon. Coupé. Deuxième. Action. Il y a un homme dans la merde qui sait des tas de trucs. Et une balle. Coupé. Aïe, ça fait mal. Action. Et ça avance à quoi? Première. Action. Si tu résolvais mon affaire, comme tu résous les rangs. Coupé. Et puis il y a eu ce nobinard de toute propre-être, là, qui n'en a jamais acheté de sa vie. Alors coupé. Coupé. Action. L'herbe, c'est pas malsain. Ça a jamais tué personne. Et puis de toute façon, ça permet de se... Troisième. Action. Attends. Quatrième. Action. Oui, plus tard, dans la nuit. Vous comprenez, il se doit être discret. Il faut qu'il vienne, il le faut. Ne vous agitez pas. Madame, la dame, ne vous agitez pas. Monsieur, s'il vous plaît. Cinquième. Action. Oui, plus tard, dans la nuit. Vous comprenez, il se doit être... Sixième. Action. Oui, plus tard, dans la nuit. Vous comprenez, il doit se montrer discret. Mais il faut qu'il vienne, il le faut. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Première. Action. Mais il lui faut du repos, beaucoup de repos, monsieur. Troisième. Action. Mais vous savez certainement quelque chose. Vous êtes un personnage très en vue dans le milieu politique. La drôle. 90, quatrième. Action. Mais vous savez certainement quelque chose. Coupé. Cinquième. Action. Mais vous savez certainement quelque chose. Vous êtes un personnage très en vue dans le milieu politique. Avez-vous reçu des menaces? Non, pas comprendre. Action. Mais vous savez certainement quelque chose. Huitième. Action. Mais vous savez certainement quelque chose. Vous êtes un personnage très en vue dans les milieux politiques. Avez-vous reçu des menaces? Sixième. Action. C'est tout ce que ça te fait? En deuxième. Action. Il y a urgence, commissaire. J'ai des ordres. On ne nous a pas appris qu'en moins d'un quart d'heure, on peut faire... Action. Vous aurez 50 000 francs au début d'après-midi. C'est une faveur que je vous fais, croyez-moi, au vu de vos états de service. Annonce. 840, première. Action. J'ai une autre solution. Pour 421. Annonce. 840, deuxième. Action. J'ai une autre solution. Pour 400 et mince. 843e. Action. J'ai une autre solution. Pour 400 et... Coupé. Annonce. 844e. Action. J'ai une autre solution.